Coucou mes amours, bienvenue à vous tous sur ma chaîne YouTube La Team Z. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à la cuisine et je viens vous proposer une boisson détox à base de l'ananas. Alors, que de jeter nos peaux d'ananas de temps en temps après les avoir pelées, une boisson vraiment très efficace pour purifier le corps, pour nettoyer le corps et pour se sentir vraiment très 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 bien. Elle est simplement faite à base de peau d'ananas. Et ce que vous faites, c'est que vous lavez le fruit vraiment bien, vous le pelez et puis les peaux d'ananas, vous les lavez encore, mais vraiment très légèrement pour ne pas enlever toutes les vitamines et toutes les vertus qu'il y a de bon sur la peau d'ananas. Parce que comme la plupart des aliments, la peau est surtout cette partie-là qui est très 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 riche en minéraux. Donc, très riche en tout là, en sels minéraux, en vitamines, en antioxydants et tout. Et si vous voulez en savoir plus sur les effets des antioxydants pour le corps, je vous invite à regarder ma vidéo que je mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez vous rendre plus intelligent et savoir tous les effets des antioxydants pour le corps. Alors du coup, ce qu'on a besoin, c'est d'une casserole comme on voit là. Et puis j'ai plus ou moins noyé mes peaux d'ananas tout simplement parce qu'elles étaient très 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 mûres. Donc voilà, j'ai mis une très grande quantité d'eau pour recevoir, pour recueillir une grande quantité de cette boisson détox là. Et elle peut être consommée soit à chaud, soit à froid. C'est-à-dire comme une boisson rafraîchissante que vous pourrez remplir une fois refroidie dans vos bouteilles, les mettre au frais. Ou alors le boire chaud comme un thé, quoi. Ça dépend de vos préférences. Donc facultatif, là vous pouvez rajouter d'autres choses à l'intérieur comme du citron pour tonifier cet effet là, pour augmenter l'effet justement de cette boisson détox là. Et moi pour ce bonus là, j'ai décidé de rajouter du citron que j'avais préalablement déjà pelé, lavé bien sûr, que je vais venir verser dans le mélange là et que je vais laisser porter à ébullition quoi. Alors l'ébullition est très importante ici, pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment de recueillir tout ce qu'il y a de bon dans ces fruits. Maintenant, attention, une fois porté à ébullition, 3 secondes plus tard, on éteint parce qu'on n'a pas aussi envie de détruire on n'a pas envie de détruire les vitamines qui sont très 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 importantes, la vitamine C surtout. Et avec la chaleur aussi, l'effet antioxydant disparaît quoi. Donc une fois porté à ébullition, très rapidement on éteint et on met de côté, on voit, on choisit l'option qui nous convient, c'est-à-dire soit chaud, soit froid. Donc voilà mes amours, cette boisson, je ne vous dis pas qu'en buvant ça vous allez maigrir, hein. Je vous parle d'effets purificateurs, je vous parle de nettoyer le corps, nettoyer l'intérieur, car c'est pas seulement le visage après un make-up qu'on nettoie, c'est aussi son intérieur. Et la meilleure des manières en fait de nettoyer l'intérieur, c'est déjà de contrôler ce qu'on mange, mais comme nous sommes tous souvent pas très discipliné, je vous invite donc à faire cette boisson qui est déjà au goût très 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 bon, car l'ananas a déjà ce sucre naturel en lui là, et vous pouvez consommer 3-4 fois la journée sur 3 jours et faire du sport, hein, c'est important. Donc mes amours, c'était un peu ça, cette boisson là qui pourra vous aider à vous nettoyer un peu l'intérieur, qui pourra vous aider à faciliter la digestion, et ça vous amènera assez rapidement aux toilettes parce que ça a cet effet aussi diurétique là. Donc si vous avez cette impression que tout le temps vous voulez aller pisser et tout, c'est très normal. Donc mes chéris, j'espère à monsieur et à toi surtout madame, j'espère t'avoir aidé à travers cette vidéo, et si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à cliquer sur ce pouce bleu là, et n'hésite pas à t'abonner, surtout la petite clochette que tu vois à droite là tout en haut, active-la, comme ça tu auras toujours l'actualité de mes vidéos une fois postées sur ma chaîne. Alors mes amours, très bonne soirée à vous et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau contenu. Bisous!